D'accord. حاولوا تطبقوها دابا، حاولوا Ça, ديروا ان تيست. انا نخلي لكم لي كود، هو ما عرفتش كيما خديتوه ولا لا. دونك لو كود ديال لاباج 1 إلي لا. اوكي، لو كود ديالاش لا باقا ما تصورتوش. داكوغ، دونك لو كود ديال لا بروميير باج هو هذا ولا دوزيام؟ ماشي استاذ، ندير سكرين بيان سور. Tani, alors Tani, il est plus simple, c'est juste un retour. D'accord. Et comme on a dit, le bouton. Alors le bouton, en fait, il est enregistré dans le même dossier que la page web. Normalement, le site il est constitué de trois choses. Il y a un index.html, page2.html et le bouton.jpg. Le bouton, il est là le bouton, c'est une image. Il doit être enregistré dans le même répertoire que les autres. Bien sûr, on m'a dit que c'est Google, ok, c'est-à-dire externe. D'accord? Alors, je vais le résultat, personnellement, c'est quoi? Alors, le résultat final, il doit correspondre à ça. L'utilisateur doit pouvoir voir deux liens. C'est comme on va par la suite faire un petit menu comme plus joli que ça. Donc, le premier lien, il va nous mener vers la page de recherche de Google, ok, normal. Ou le deuxième lien, il va nous mener vers la page 2 du même site web. Et le troisième lien, d'accord, il fait la même chose, mais on a fait une image, une simple image, bouton, cliquable. Il va normalement nous amener vers la page ou vers une autre page. D'accord? Alors, je pense que c'est bon pour tout le monde, Yek. Oui, monsieur. S'il y a des questions, des difficultés, c'est pour les commentaires. On est sur le Google Classroom. D'accord? Essayez d'écrire des commentaires. On verra donc comment on peut résoudre ça. OK? Alors, je souhaite bonne journée. D'accord. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Il n'allait pas. Allez, tu as une deuxième réunion. Allez, on s'est fait comme une différence. Voilà. Bye bye. D'accord.